Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Fabien. Merci d'être avec nous au cours de cette émission spéciale France-Cyr. Merci à vous d'avoir invité. Bonne ambiance déjà au cours de cette soirée. Hein, autour de nous, là, depuis tout à l'heure, ça évolue. Il y a beaucoup d'échanges. Les gens sont, semble-t-il, contents d'être là. Oui, exactement. Oui, je pense que bravo à Christine Duterre déjà pour l'organisation. Ça amène pas mal de monde pendant 2 jours dans la région. C'est une super initiative. Je crois que c'est la 4e édition de la Route des Étalons. Et c'est vrai que c'est un moment sympathique qui est amené à se développer de plus en plus, je pense. Et on est content d'être là, oui. Vous avez assisté à toutes les éditions? Pratiquement, oui. Pratiquement. Ouais. Qu'est-ce c'est que vous venez chercher pour moi. C'est facile pour moi, je suis de la région, hein. Je suis voisin, j'habite à côté de Lisieux, donc c'est assez d'accord. Simple. Mais vous êtes très très présent dans le sud-ouest, vous êtes très présent également en Lyon-d'Angers. On est partout. Oui, vous êtes de plus en plus. Ah, il y vient, hein. On va en savoir beaucoup ce soir, je le sens. Bon, l'année 2012, les chiffres ont été tous au vert, les voyants. L'année 2012, oui. A été très bonne. Avant 2012, de s'intéresser à 2013, effectivement, 2012 a été les voyants étaient très positifs, puisque toutes les ventes ont vu les chiffres en hausse. Pourquoi Comment vous avez fait? Certainement la qualité du travail du team Osarus. sans plaisanter, je pense qu'on a eu... encore une fois, on est arrivé au bon moment, le timing. Je pense qu'on a besoin en France d'avoir une deuxième agence de vente. Ce qu'on a préparé l'an dernier, bon, le calendrier des ventes Osarus a besoin de se définir et on y travaille, mais en l'occurrence, les ventes proposées l'an dernier ont bien fonctionné, que ce soit la vente de Pornichet qui était une première, ouais, qui tout de suite a bien fonctionné. Le catalogue n'a pas été si simple à monter parce que finalement on a eu peu de chevaux. Je crois qu'à la clôture on avait 55 chevaux, on a 38 poulains qu'on fait canter le matin et in fine on a vendu un bon pourcentage de chevaux, des chevaux qui ont galopé par la suite. Et avec une quelques résultats qui ont mis aussi en avant exactement les ventes et votre travail. Voilà, la vente de la Teste a été très bonne, on va dire. Enfin, en ce qui concerne les chiffres, on fait 1 600 000 euros de chiffre d'affaires. Je crois que c'est 55% de plus par rapport à 2011, donc ce qui est vraiment très bien. Un pourcentage de vendu de 90%, ça c'est des chiffres qui sont assez compliqués à atteindre. Hein. Même dans une journée de vente où on propose 150 chevaux, c'est 90% de vendu, c'est vraiment c'est des chiffres c'est clair. Assez, non, on ne peut pas aller contre ça. Assez correct. Et puis la vente du Lion d'Angers qui a été assez correcte aussi, puisqu'on fait un bon pourcentage de vendu, une moyenne propre et puis un chiffre très correct, puisqu'on doit passer de 400 000 euros de chiffre l'année d'avant à 750 en 2012. Donc encore une fois, 3 ventes proposées, enfin 4 si on peut dire avec la vente le dernier jour d'élevage du Lion d'Angers, et 4 ventes avec des chiffres qui sont en hausse à chaque fois. Un nombre de poulains, de yearling vus. Je suis désolé, le dernier chiffre, parce que on va venir quand même au thème de l'année 2012. Mais je vous laisse un dernier chiffre. Avec le dernier chiffre, c'était on a vu à peu près 700 yearlings l'an dernier. Donc on est amené certainement à voir beaucoup plus cette année. Et voilà, tout va pour le mieux. Parce que le CSA ne s'intéresse pas encore à francecyr.com, mais je me demande si on doit faire la parité de temps de parole entre Arcana et Osarus. Mais comme ils nous accueillent chez eux, si vous voulez bien, on leur sera peut-être un tout petit peu plus de temps. Pas de problème. On a passé un peu de temps avec Olivier. En même temps, je pense qu'on a bien tout sûr temps. Ce temps de la plaisanterie. Voilà. Emmanuel, malgré tout, si 2012 a été marquant pour Osarus, c'est que un nom est apparu dans la galaxie Osarus. C'est Tattersalls, ou le contraire d'ailleurs. Osarus est arrivé dans la galaxie Tattersalls. D'ailleurs, dans quel sens ça se dit? C'est Tattersalls qui est arrivé chez Osarus ou c'est le contraire? On peut le dire dans ce sens-là, oui. Oui, je pense, puisque Tattersalls est arrivé, on va pas dire chez Osarus, mais c'est avec l'alliance avec, qui s'est à créée. Côté L'alliance est arrivée. L'alliance est arrivée, donc a été annoncée en fin d'année. Ouais. Bon, sachant qu'on est sur ce dossier depuis à peu près 2 ans. Ouais. À Noël l'année dernière, ça faisait quasiment 2 ans qu'on commençait, qu'on avait été interpellé, c'est pas le terme, mais qu'une première perte approchée, voilà, exactement. Voilà, on sentait que ça pouvait venir. Tout à fait. Donc c'est venu au départ d'une initiative de plusieurs personnes, dont Bertrand Lemétayer, donc qui est représentant de Tattersalls en France. Ouais. Et qui partait du principe qui avait certainement quelque chose à faire avec cette prestigieuse agence de vente qui est Tattersalls. Et le petit poussé que nous étions et que nous sommes encore, si je peux dire, puisque
c'était amusant parce que Tattersall, c'est l'agence de vente la plus ancienne au monde. Et vous êtes la plus récente. Et nous, on est la plus récente. Donc, c'est assez amusant. Alors, cette alliance, on en a beaucoup parlé, on a évoqué, on a communiqué dessus. Vous avez communiqué dessus. Oui. Vous nous avez dit ce que vous aviez à nous dire. Donc, on va rappeler que les faits marquants sont les suivants. Une alliance commerciale qui vous permet d'échanger des fichiers de clients potentiels, donc une ouverture de votre fichier de clients potentiels, une assurance de paiement, ce qui n'est quand même pas un moindre argument, et surtout une nouvelle dimension, soit. Mais qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit à l'automne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant que le soufflet est un petit peu redescendu? Est-ce que vous avez les prétentions d'être l'opposant numéro 1 d'Arcana? Est-ce qu'on peut l'être? Moi, je pense que tout est possible. On ne l'a pas fait dans ce sens-là au départ, je veux dire, puisque moi je me rappelle des premières réunions avec Edmond Mahoney, qui est le président de Tattersall et tout le staff de Tattersall. Et je les revois ouvrir un catalogue de la test et me faisant remarquer que l'idée était très bonne de vendre 100% de poulains français, de présenter 100% de poulains FR dans le catalogue. Donc on reste sur cette idée-là au départ. Donc on peut penser que c'est pas si simple de contrer, enfin contrer c'est pas exactement le terme, mais de jouer dans la même cour que Deauville. Parce que si vous n'avez pas de Daniel Dancer, de Galileo ou de... Mais c'est pas votre genèse normalement. Osarus est capable d'accueillir tous les poulains les mieux dotés, pourquoi pas, en pédigré. Mais a priori, vous étiez là aussi pour vous placer sur un deuxième marché. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent de cela? Osarus a perdu de son ADN. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, puisque pour le moment, en tout cas, on est parti pour vendre encore une fois une quasi-totalité de poulains français. Bon, la vente de pornichets par exemple qui va avoir lieu le 30 avril, quand vous allez découvrir le catalogue, vous allez voir à 99% près de que des poulains français. Donc vous êtes toujours là pour rendre ce service aux éleveurs français, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème sur ça. Alors l'idée, comme vous le faisiez remarquer, c'est de pouvoir se servir du réseau Tattersall, réseau qui est assez conséquent comme vous pouvez l'imaginer. Oui, ça va, oui. Pour, autant que faire se peut, amener de nouveaux clients étrangers dans les ventes aux Arus, que ce soit à Pornichet, à La Teste ou au Lyon d'Angers en fin d'année. Donc 2013 va être une année fondatrice? Ouais, ça va être une année très intéressante, où on va apprendre à se connaître. Ouais. Alors c'est pour ça que vous me posez des questions précises, c'est un petit peu compliqué de vous répondre, parce que au fur et à mesure des mois et de l'année, vous allez avoir des informations qui vont arriver. Donc il y a des choses qui vont prendre forme au fur et à mesure. Encore une fois, on est dans une période de fiançailles. On sera invité au mariage. Voilà, on est pas loin du mariage. Et tout va bien se passer, je pense. C'est vrai qu'on a la chance d'être allié avec ces gens-là qui, en même temps, nous laissent les rênes. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Ils n'influent pas sur le calendrier des ventes. Donc, on fait ce qu'on veut, même s'ils sont là pour nous conseiller du mieux qu'ils peuvent. Mais on va travailler en bonne intelligence avec les gens de Tattersall, et ils sont vraiment très motivés aussi de leur côté. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas encore nous dire, il va falloir voir, en fait, vous voulez... On est là pour s'attaquer à un marché, oui et wait non. And see un petit peu. Voilà, on est là aussi pour gagner notre vie, on est là pour faire plaisir aux éleveurs français, aux propriétaires français, aux entraîneurs français. On sait que pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des chevaux à des tarifs raisonnables et qui ont gagné des courses. Des listes, des groupes, des handicaps, évidemment. On est parti pour continuer dans ce sens-là, mais voilà, Arcana fait 86 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous faisons un petit 3 millions l'an dernier. C'est quoi l'objectif pour 2013? L'objectif, c'est d'améliorer ces chiffres-là. C'est combien? On est une société commerciale. Je ne peux pas vous le dire parce que si je ne les réalise pas, si on arrivait à faire ce chiffre-là, ce serait bien. Donc c'est 6. L'idée, c'est de, step by step, puisqu'on parle de... Absolument, avec nos amis anglo-saxons. On ne veut pas bousculer, on ne va pas révolutionner en 6 mois ce qui se passe au niveau des ventes en France. Mais vous êtes toujours présent avec les petits éleveurs. Exactement. Il n'y a rien de péjoratif. Hein. Non, mais surtout pas. On ne va pas oublier les personnes qui nous ont aidés à nous développer au départ. Maintenant, il faut que tout le monde se professionnalise. Moi, je suis obligé de monter des catalogues. Nous sommes obligés, l'équipe d'Osarus, de monter des catalogues de qualité.
Voilà, on n'attire pas des clients avec des catalogues légers ou pauvres. Non, a priori, non. Il faut, voilà. Donc voilà. Maintenant, on a eu une période, on a eu à peu près, là, ça sera la sixième édition des ventes de la test en septembre. Ouais. Donc on en a eu cinq. Par conséquent, on a fini la période de rodage, si je peux dire. Les gens maintenant comprennent qu'on est capable de monter des catalogues, de faire des ventes de façon professionnelle, de communiquer, de payer les vendeurs. Voilà, l'avenir est à nous. Francir sera présent pour suivre les prochaines ventes et donc vos fiançailles avec Tattersalls. Voilà, et donc je voulais simplement rajouter, c'est vrai qu'il y a deux choses importantes en ce début d'année. C'est la garantie de paiement qui arrive, puisqu'on va pouvoir proposer donc la garantie de paiement à 35 jours, ce qui ne s'est jamais fait en France. Donc ça, c'est quand même très important. Et bon, on a la deuxième chose, on a une personne qui est arrivée dans l'équipe, Sylvain Huro, qui est là depuis le 1er janvier, qui est un jockey connu, qui a gagné plus de 500 courses dans nos régions, qui va lui développer son réseau. Il a monté pour pas mal de personnes dans le sud. Voilà, donc on attend de Sylvain qui développe et qui continue à faire son travail par rapport au réseau sud et sud-ouest, sud-est. Le message et l'info sont passés. Merci, voilà. Manuel. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Bon vent à Osarus. Merci beaucoup. À et bientôt. Plein de bonnes choses pour la suite. Et à très bientôt, en effet. Merci. On vous retrouve.